Ok les gars, j'offre chaque jour des cadeaux à tous mes abonnés sur Fortnite Battle Royale, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube et commente le plus de fois ton pseudo Epic Game en commentaire si tu veux être la prochaine personne à qui j'envoie un cadeau. Alba au quartier, ma brunette, mes chapeaux de paille, je te fais voyager, on se verra loin de là, en Alicante, le cigare de Cuba, des gaines arbitres de Sabastano, je suis poussé par ta sexlamiste. Yo les gars, c'est ByGame, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu au titre ainsi qu'à la miniature de la vidéo, on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale qui va tout simplement vous permettre d'obtenir tous les skins de Fortnite gratuitement les gars et sur toutes les plateformes que ce soit PC, PS4, Xbox One, Switch ou sur mobile que ce soit iPhone ou Android. Donc juste avant de commencer le sujet de la vidéo et la manipulation tout simplement pour obtenir tous les skins gratuitement les gars, n'hésitez pas à spammer votre tout simplement votre pseudo Epic Game. Si vous voulez tenter de remporter un cadeau sur Fortnite Battle Royale, les gars, je vous mens pas, en ce moment, voilà, avec les glitches, etc., j'ai masse de V-Bucks, du coup, je vais pouvoir tout simplement vous offrir un maximum de cadeaux sur Fortnite, donc pour ceci, les gars, pour participer, tout simplement, il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube, ainsi que d'avoir activé la cloche de notification et d'avoir liké cette vidéo, les gars, sinon vous ne serez pas pris en compte pour tenter de remporter un cadeau sur Fortnite, les gars, j'en offre plusieurs par semaine, donc voilà, donc si vous respectez toutes les conditions et que vous spammez un maximum votre pseudo Epic Game en commentaire, vous aurez un maximum de chances de recevoir un cadeau sur Fortnite. Donc voilà les gars, c'est parti, on va tout de suite entamer avec la manipulation tout simplement pour obtenir les skins en illimité et gratuitement les gars. Donc première chose les gars, tout simplement voilà, vous allez lancer votre jeu etc, vous êtes normalement dans le lobby comme je le suis actuellement. La première chose les gars, c'est que vous allez vous rendre dans votre casier et vous allez enlever vos skins. Donc voilà, vous enlevez vos skins. Moi voilà, c'est ce que je vais faire. Vous enlevez le sac à dos. Voilà, je vais faire ça assez rapidement. Vous enlevez la pioche, vous remettez la pioche par défaut, qui est celle-ci. Vous enlevez le planeur, donc vous remettez le planeur par défaut, qui est celui-ci. Vous faites pareil avec la traînée, vous l'enlevez. Et vous faites pareil avec les danses, les camouflages, les musiques et les écrans de chargement. Donc voilà, il faut que vous ayez exactement comme moi l'écran. Une fois que vous avez fait ceci, les gars, vous allez tout simplement vous rendre dans le menu et vous allez tout simplement changer la région de matchmaking en automatique. Donc voilà, donc vous allez dans les paramètres, vous changez la région de matchmaking en automatique. Une fois que vous avez fait ceci, les gars, vous faites appliquer. Donc voilà, c'est parti. Ensuite, les gars, vous allez tout simplement lancer une partie en solo, les gars, tout simplement. Donc vous lancez une partie en solo, les gars, et tout simplement, on se retrouve une fois que le chargement sera terminé. Donc voilà les gars, j'ai tout simplement passé le chargement. Donc une fois les gars que vous êtes tout simplement sur l'île de départ, voilà, vous attendez tranquillement que le bus se lance les gars. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va attendre jusqu'à la fin du bus et on va tout simplement quitter la partie les gars. Donc je vais faire ça en même temps que vous. Donc voilà, donc vous lancez votre petite partie en solo comme je vous ai dit, vous attendez que le bus se lance et vous quittez la partie une fois que le bus a traversé toute la map les gars. Donc vraiment en fait voilà, vous attendez tout simplement que votre personnage, enfin votre skin tout simplement, enfin pas votre skin du coup vous les avez enlevés, mais voilà votre personnage soit éjecté automatiquement du bus à la fin. Et une fois les gars que le personnage, enfin votre personnage sera éjecté automatiquement, vous quittez la partie les gars comme je vais le faire dans quelques instants. Donc voilà, donc j'attends tranquillement la fin du bus. Voilà. Là, normalement je vais être éjecté, donc voilà, donc là je suis éjecté du bus. Et là ce que vous faites les gars, c'est que vous quittez la partie tout simplement. Donc je vais tout simplement vous retrouver après l'écran de chargement. Donc voilà les gars, tout simplement je suis retourné au lobby après avoir quitté la partie. Donc une fois que vous êtes arrivé les gars dans le menu, vous faites tout simplement, vous ouvrez la barre là, vous faites signalement retour. Voilà, vous faites signaler un bug. Vous descendez sur objet cosmétique, tenue, planeur, emote, pioche, revêtement. Et vous descendez sur mon objet cosmétique n'apparaît pas. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ceci les gars, vous faites continuer, vous faites accepter. Voilà, le signalement va s'envoyer. Et vous faites fermer. Donc une fois que vous avez fait ceci les gars, vous rendez dans la boutique d'objets. Et là normalement, donc quelle que soit votre boutique les gars, voilà, donc quelle que soit votre boutique, que vous faites le glitch un ou deux jours après que la vidéo soit sortie, il n'y a pas de problème. Vous vous mettez sur n'importe quel skin de la boutique, les gars. Et une fois que vous êtes mis sur un skin de la boutique, vous attendez à peu près une dizaine de secondes. Donc comme je vais le faire. Et c'est vraiment super important, les gars, de pas aller trop vite. Parce que si vous allez aller trop vite, tout simplement, il se peut que le jeu n'enregistre pas toutes les manipulations. Et du coup, il faut vraiment attendre à peu près une dizaine de secondes. Donc voilà, donc là, j'ai attendu à peu près une dizaine de secondes. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous vous rendez sur la page d'accueil. Faites paramètres et vous allez tout simplement mettre votre jeu en anglais.
Donc voilà, donc là je l'ai mis en anglais. Non, voilà, en anglais. Et une fois que vous avez fait ceci, les gars, la région de matchmaking, vous allez la mettre sur Océanie, les gars. C'est vraiment super important de ne pas se tromper. Donc vous mettez la région de matchmaking sur Océanie et la langue en anglais. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites appliquer. Donc voilà, confirmer. Tac, normalement vous allez avoir les actus qui vont s'afficher étant donné que vous avez redémarré la langue de votre jeu. Donc une fois que vous avez fait ceci, les gars, vous allez vous mettre sur mode créatif. Donc c'est super important. Donc sur mode créatif, les gars. Voilà, donc. Mais vous ne lancez pas de partie, les gars. Vous ne lancez surtout pas de partie. Donc une fois que vous êtes sur le mode créatif, les gars, vous allez vous rendre dans la boutique de V-Bucks. Ok, voilà. Vous allez vous mettre sur 13500 V-Bucks et vous allez quitter, les gars. Il n'y a pas besoin d'attendre. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez vous remettre sur le mode solo. Et là, les gars, donc tout simplement, vous allez faire la dernière étape du glitch. Donc vous allez ouvrir votre barre, tout simplement, de paramètres. Et vous allez tout simplement remettre la région de matchmaking sur automatique. Donc vous faites bien appliquer. Donc là, voilà, je vous l'avais certainement pas vu, mais j'ai bien appliqué. Donc vous remettez votre région de matchmaking sur automatique. Donc voilà, vous faites save. Et voilà. Donc là, les gars, ensuite la dernière étape du glitch, donc la plus compliquée, enfin la plus compliquée entre guillemets, vous allez tout simplement donc rentrer un message dans le chat, donc dans le chat qui est en bas à gauche. Et il va falloir, les gars, que vous rentrez exactement le même message que moi à l'écran. Donc le message va être tout simplement affiché à l'écran, les gars, vous inquiétez pas. Je mettrai tout simplement le message pendant le montage. Donc voilà, donc là je suis en train de l'entrer tout simplement. Donc il faut vraiment que vous entrez le même message que moi. Vraiment sans faute d'orthographe ni rien. Enfin voilà, vraiment à la lettre près, c'est vraiment super important. Parce que voilà, si vous tout simplement faites une petite faute d'orthographe, ça ne va pas fonctionner, les gars. Donc vous faites, vous rentrez le message, donc une fois que vous l'avez tout simplement rentré, vous faites send, c'est très important. Et vous attendez, les gars, que vous voyez votre message qui sera rentré en bas à gauche. Donc là, les gars, vous pouvez le voir, mon message a été rentré en bas à gauche. Donc voilà, donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo, les gars, pour vraiment bien rentrer exactement le même message que moi. Donc là, les gars, on a fait tout simplement tout le glitch. Donc là, si vous êtes sur Switch et mobile, vous allez fermer votre jeu et vous allez le relancer. Et si vous faites, si vous êtes pardon sur PS4, PC ou Xbox One, vous faites Select Game Mode. Donc là voilà, vous attendez tranquillement, vous recliquez sur Battle Royale et normalement là les gars, on va recevoir tous les skins en illimité si il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va attendre un petit peu, 3-4 secondes normalement. Donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai tout simplement reçu tous les skins du jeu qu'il me manquait, les gars. Ça fait vraiment ultra plaisir, donc n'hésitez vraiment pas à profiter du glitch avant qu'il ne soit patché. Pour les joueurs Switch et mobile, comme j'ai dit, vous débloquerez les skins en redémarrant votre jeu. Donc franchement les gars, ça fait vraiment ultra plaisir, profitez-en un maximum avant que le glitch ne soit patché, les gars. Parce que le glitch risque vraiment de pas fonctionner longtemps, les gars. Epic Games va le patcher ultra rapidement, les gars. Donc franchement, profitez-en un maximum dès que vous voyez cette vidéo, les gars. Faites-le directement, les gars, parce que franchement, ça va être patché très très rapidement. Donc voilà, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour ce glitch de malade, les gars. N'hésitez pas également à participer, voilà, pas au petit concours, mais voilà, pour remporter des cadeaux sur Fortnite. Il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube ainsi que d'avoir activé la cloche de notification et d'avoir liké cette vidéo. Et pour finir, les gars, de spammer son tout simplement pseudo Epic Game en commentaire pour tenter de remporter un cadeau sur Fortnite, les gars. J'en offre toutes les semaines, j'en offre au moins 3-4 cadeaux à des abonnés différents toutes les semaines, les gars. Donc franchement, profitez-en un maximum également. Sur ce, c'était Bye Game, je vais vous laisser. Peace tout le monde.